performance, parce qu'il y a des disciplines majeures en France comme le basket par exemple, où les garçons ne seront pas présents à Athènes. Oui, c'est vrai que c'est important de le souligner. Nous avions beaucoup de soucis par rapport à cette qualification. Et puis les deux équipes, garçons et filles, ont assuré leur contrat et on est qualifiés pour les Jeux Olympiques. Et avec des chances de médaille. Absolument. Des deux côtés d'ailleurs, garçons et filles. Le japonais Isao Yoneda. Alors toujours cette recherche d'acrobatie ici, vous voyez un petit peu plus difficile. Non seulement le gymnaste est désaxé par rapport à l'axe de la diagonale, mais en plus les jambes sont fléchies. Ça manque un petit peu de vivacité. Là c'est limite aussi, attention, ça roule juste. Manque d'amplitude par rapport au gymnaste précédent. Ouais. Voilà, le salto japonais. C'est un japonais qui avait inventé cet exercice dans les années 80. Alors on rappelle aussi pour les téléspectateurs qui ne sont pas des spécialistes de la gymnastique, lorsqu'on invente un mouvement, eh bien ce mouvement prend votre nom. Voilà, donc il faut d'abord le créer, qu'il soit validé, le présenter en compétition internationale, le présenter également par une vidéo aux membres de la commission technique internationale. Et là, eh bien, la commission technique valide ce mouvement et porte, et ça fait porter le nom du gymnaste. Là aussi, un full in, full out en sortie, vous voyez, un petit peu le plus bas sur la réception. Oui, une réception beaucoup plus difficile hein, pour Isao Yoneda, le japonais. Et vous voyez la note 9500, ce qui reste tout de même une très bonne note. Voilà, 5 dixièmes de faute sur une note de départ de 10, c'est bien.